Je me demande combien il y a de morts dans cette pièce. Qui vit ici. Ok. Ça date d'un moment. Quand même, vaut mieux faire gaffe. Faut que je remette le courant. Bon sang. T'as grillé? C'était pas ton truc, l'électricité. C'est quoi ça? Nickel.
Joël, ça t'aurait plu de regarder un film ici. Génial. Flippant. J'y crois pas. Ça commence à donner quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens ? On y est ? Ouais. Oh, putain. Allez, j'essaie de deviner. Quoi ? Tu veux gâcher la surprise ? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure ? Pas la peine de te fatiguer, je dirais rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant ? Est-ce que c'est un cabriolet ? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot ? Est-ce que c'est un paquet de chatons ? Une portée, tu veux dire ? C'est quoi une portée ? Un groupe de chatons. Alors pourquoi on... Avance, au lieu de parler. Fais attention. T'inquiète. Hop. Mais t'es malade ou quoi ? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens. Repousser de... l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ellie, viens là, regarde un peu ça. Tu vois, tu le vois ça. Juste là, regarde. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait... Alors, ça fait quoi ? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein ? Eh ben... En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens.
On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Prof d'histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con. Je te demande pardon. Moi, une copine nous énervait quand il traitait les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en colle. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes ? Est-ce que c'est... une nouvelle paire de baskets ? Est-ce que t'en as pas assez comme ça ? Sûrement pas. Viens là. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Ah, enfin. Mais, bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD ? Non, attends, une collection de DVD ? Oui. Mais, laquelle ? Juste, oui. C'est des laserdiscs ? J'en ai entendu parler. Pas Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure. Tu l'as dit. Joël. Surprise. Je ne crois pas. Putain, c'est un dinosaure. Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit ? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. C'est quoi ? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Bonjour. Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Joël, c'est pour toi. Très drôle. Ouais, c'était très drôle. Parce que t'es vieux. Mais oui, j'avais compris. Ok.
Regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un déno... Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait, dans le film que j'ai vu. Waouh, génial. Tu veux l'essayer? Pas du tout. Comme tu veux. Compsognathus. Drôle de nom pour de ces petits trucs. Ouais, il grouillait. Ça aussi, tu l'as vu dans un film? Eh ben ouais, mais pas dans le même. En fait, ils ont fait une suite. C'était moins bien. Tête. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau-zore. C'est vraiment indispensable. J'espère qu'elle va pas tous les faire. Joël. Ellie. Interdiction de l'enlever. Mon anniversaire, mes règles. Ouais. Wow, le cerveau de celui-là faisait la taille d'une noix. Ah, oh, c'est vrai. Mais alors, ça vous fait un point commun. Oh, très drôle. Triceratops signifie « tête à trois cornes ». T'avais pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là. Triceratops... Oh. Enfin que je reconnais. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Le nom Gallimimus signifie qui imite la poule. Qui trouve ces noms? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes! Il y avait une scène où, en fait, un des personnages dit « C'est vraiment un gros tas de merde ». C'est quoi ce film et quand est-ce qu'on le regarde? Tu sais quoi? Quand on rentre à Jackson, soirée film. Vélociraptor. Joël, c'est celui dont tu parlais, le Vélociraptor. Il est tout petit. Rien à voir avec celui du film. Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Il ressemble un peu à Tommy.
Je lui dirais que t'as dit ça. Non, pitié. Sous le bon angle, cet ami, tout craché. Wow, celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh. Pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois? Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. T'allais souvent au musée? Ouais. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois? Tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. On peut partir. T'es bête. Hé, hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là? Mon Mercure, vieux Vénus, tonton, terre. Oh, ok, j'ai compris. C'est bien trouvé. Tu sais combien de fois on est allé sur la Lune? Deux. 6 fois. T'en es sûr? Ouais, je suis sûr. Avec moi, ça fera 7. Trop génial. Il est où le volant? Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah. Attends. C'est le vrai rover? Ils ont laissé les vrais sur la Lune, alors je dirais que non. Joël, quel a été le premier animal à être allé dans l'espace? Ah bah ça, je sais, c'était un singe. Non, des mouches. Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futé. Merci. Et ça les a transformées en super mouches? Quoi? Non. Waouh. T'en as d'autres, des infos marrantes? D'après les astronautes, la Lune sent la poudre à canon. Ah oui, ça, c'est marrant. Mais attends.
Comment ils ont... Je suppose qu'ils ont ramené des échantillons de roche et qu'ils les ont sentis après. Ok. Et maintenant ? À toi de me le dire. T'as qu'à me poser des questions ? J'en sais rien. Qui a été le premier homme dans l'espace ? Ah, oh, facile. Yuri Gagarin. Gagarin, tu veux dire ? Gagarin ? Je sais pas comment on le prononce, je l'ai seulement lu. Enfin bref, il a décollé le 12 avril 1961. Eh ben, tu m'impressionnes. T'as lu combien de bouquins là-dessus, au juste ? Attends, Joël, tu trouves pas ça dingue ? J'aimerais bien savoir ce qui te fascine à ce point. Je sais pas. Les gens de ton époque, ils avaient une vie facile. Tout est relatif, mais bon, admettons. Je veux dire, ils étaient pas obligés d'aller dans l'espace, et pourtant ils l'ont fait. C'était... couillu. Couillu. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Eh, tu savais que les boucliers thermiques des navettes spatiales étaient à base de sable ? J'en savais rien. Je pensais que c'était un genre de caoutchouc épais. Non, juste du sable. Y'a pas de quoi. Encore une ? Vas-y. Les astronautes boivent leur propre urine. Elle est filtrée. Mais bon, quand même. Je suppose qu'ils devaient faire avec les moyens du bord. Ouais, j'imagine que c'est moins marrant comme info. Non, attends une minute. Tu vas dans l'espace. Il te faut un casque. C'est vrai. Je suis bête. Ça sent l'espace et la crasse. Après toi. Attention à la tête. J'imagine le truc. Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça ? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12.
T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain! Eh bien, tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. Attends. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller, hein? Allez! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens! Non! Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. Geronimo! Génial. Fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez. Vas-y. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. Oh, garde le moral, mon vieux. Mmh.
Voilà un qui en manque de câlin. Oh, putain d'animaux en toc. C'était quoi, ça? Rien, c'était juste un animal. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Tu viens? Oh.
trouve toujours canon, là. Carrément. Tu l'as réparé ? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle ? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Ça fait du bien. Écoute... Je suis vraiment désolée. Pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici le secteur 13, unité Lima à proximité. Combien de scars ? À vous. Ce ne sont pas des scars. Il s'agit d'un homme seul, armé. Tu penses à ce que je pense ? C'est Tommy. C'est où le secteur 14 ? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12... Je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. D'accord. Tina. Ouais, ça va pas fort. Hey. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Ça te portera chance. Je crois pas en la chance. T'as tort. Ok, Hillcrest. C'est le bon endroit ? Ouais, c'est le bon endroit. Ça doit être Tommy. Fais chier.
Je fais comment pour monter? Merde! Ces connards sont trop nombreux. Tiens bon, Tommy. Je vais te lancer dans le tas. On sécurise le périmètre, donc on n'a pas d'autres ordres. Ouvre l'œil, au cas où il se pointerait. J'ai quelque chose. Oh, merde. Désinfecté. Faut qu'on entre. Allez, ma belle. Montre-le. Tu crois que ce type a un lien avec la fille de l'école? C'est pas le cas, c'est une putain de coïncidence. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands groupes, on peut se bastonner. Mais là... ils peuvent se cacher n'importe où. Merde ! C'est une embuscade ! Par ici ! Fais le tour ! Ah!
Ok. Entendu. Ugh.
marché. Thank you.
Tommy. C'est une fille. Est-ce que tu l'as vue? Je sais pas, mais l'autre est pas loin. Ah merde! On cherche deux intrus! C'est quoi toute cette fumée? Il a fait sauter un de nos camions. Mais comment c'est possible? Contente-toi de les retrouver. Trouvez-moi ces putains d'intrus, ok? Huh?
Il a dû flairer un truc. Ça flairait quelque chose. Il est où ? Alors ? Il est forcément dans le coin. On n'aura qu'à le jeter au chien quand on l'aura chopé. Rentre. Rien du tout. Ok. J'ai dû perdre mes pieds. Putain.
ici. C'est partir seul. Jessie. Où est Dina? Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Déployez-vous! Elle est partie par là! Oh, putain, ils sont nombreux. Ça va? Tu tiens le coup? Ça va aller. Tes potes me sont tombés dessus, sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Allez, on va voir. Vas-y, je te coupe. Cherchez les clés! Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ok. Je sais!
chute. Ok. Je crois qu'on est bon. Allez, viens. Merci. Par là. Ok. Dina! Salut. Oh, c'est pas vrai. Jessie. Salut, Dina. Oh. Est-ce que ça va? Faut juste que je me repose un peu. On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais. Allez, viens. Maria t'a laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est... seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligé de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand de Jackson? Un jour après vous, mais la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Il a fait semblant de dormir. Pour pas simplement lui faire un cadeau. Ah, on s'est déjà plus, celle-ci. Non? Tout va bien? Ouais. Ouais, ça va. Ok. Franchement, boudé pour si peu. C'est vrai, quoi. J'oublierais mon propre anniversaire si elle était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Pourquoi? Je le vois à ta tête quand ça va pas. Je réfléchis juste à des trucs. N'hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. Il en reste là-bas. Combien? Pas beaucoup. Tu veux tenter ta chance? T'es sérieux? Je suis d'humeur généreuse. Tu vois le panneau là-bas? Le rouge. Essaie de le toucher. C'est pratique pour les faire sortir de leur cachette. Pense bien à corriger la trajectoire de la balle. Prends ton temps. C'est du bon boulot. Encore quelques-uns. Mange ça. Il me plaît bien, celui-là. Il en reste 2. En général, on en trouve d'autres par là, si tu veux continuer. Ok. D'où est-ce qu'ils sortent? Les hordes passent souvent dans le coin en hiver. Et il y en a toujours qui perdent le groupe et qui restent derrière. Ils prennent la même route tous les ans? Comme un genre de migration, ouais. Comment ça? Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, en fait, j'en sais foutre rien. Regarde le cabanon. On dirait qu'ils sont en train de descendre. Pourquoi? Ah, un animal mort. Regarde près du pick-up, là.
Ils sont en train de bouffer le cerf. Ils doivent avoir faim. T'as ça dans le sang. Qu'est-ce que tu dis de ça? Nickel. On voit trois encore. T'as pris le coup de main? Yes. Impressionne. Ça m'a l'air bon. Je te parie qu'il y en a par ici. Et là, près du téléphérique, regarde tout là-bas. Sous les nacelles. Près de la tour. Tu vois? Ils aiment le bruit que ça fait. Ne te précipite pas. C'est ton rythme. Oui. Et trois. Faudra que je raconte ça à Joël. Il y en a d'autres là-bas. Allez. Vas-y, réessaie. J'espère que Joël oublie pas de remuer le ragoût. Le connaissant, il a dû le laisser cramer. Pour tuer, on peut compter sur lui. Pour cuisiner. Disons que ça n'a jamais été son truc. Porridge. Soupe. Ah, j'en vois pas d'autres. Ouais, moi non plus. Allez, on s'en va. On va voir si Joël est rentré. Ça marche. Donne-moi ça. Eh, Tommy. Merci pour la balade. De rien. Honneur aux dames. Je sais que je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais... Mais Joël s'inquiète pour toi. Il y a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon... Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Et je lui parle. Ouais, enfin, tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. Ok, je vais essayer. Ouais. C'est vous qui avez fait tout ce raffut? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Alors, ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Je vois que... tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Pourquoi? Il faut les changer? Ouais. On t'en trouvera d'autres. Ouais. Il y a un magasin de musique pas loin. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Je montrerai la garde. Qu'est-ce que t'en dis? Ok. Allez, on se tire avant qu'il chante. T'es sûr que tu veux pas venir? Allez, vas-y. Il t'attend. Ok, on y va. Allez, suis-moi, Ellie. Alors, avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi? Pas grand-chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Il pense même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant.
Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrues qui... Si tu penses que t'es prête, je te fais confiance. Ok. Merci. Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Dis-moi, tu te rappelles les comics Savage Starlight, que t'aimes bien? Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros, quand on est allé dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu? Tu sais, en fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniela Starr, c'est une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font. C'est trop marrant. Le magasin de musique est par là. On va devoir laisser les chevaux ici. Ouais, ça me va. Payette, pas de bêtises, hein. Voilà le magasin de musique. Ouais, je le vois. Tu veux que je t'aide? Ça va aller. À mon avis, on peut pas passer par là. Quoi? Bon sang. Avant, on pouvait traverser à la nage. Bon, on fait quoi alors? Si t'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. J'ai peut-être quelque chose. Tu crois que tu peux passer? On peut essayer. Fais attention. D'accord. J'y suis! Attends 2 secondes! D'accord. Je cherche. Tiens, salut. Salut. Impressionné? Non, t'es trop maigre. Faut manger, tu sais. De rien. Flippant comme endroit. J'ai trouvé un passage, mais il y a des spores. Mets ton masque. Oh, je suis obligée. Il y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre? Bon, d'accord. Jamais ce qui peut arriver. Ellie, si t'arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je baisse jamais ma garde. Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère. Pas à Jesse ou Dina. Bien sûr que non. Ok, tant mieux. T'étais déjà venu ici? Non, on a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Peut-être.
Il est mort depuis un moment, on dirait. La dernière patrouille est passée il y a combien de temps? Je sais pas trop. Il venait de chez nous? Non. Il ne manque personne à Jackson, à part les ados qui ont disparu l'année dernière. Ah, lui, il est trop vieux. Il devait être seulement de passage. Par là. Ellie, viens là. On est en patrouille, non? Ok. On s'en occupe. Par ici! On dirait bien. T'as assuré, Ellie.
Bon. Et si on mettait cette histoire de corde un autre jour? Ouais, je pense que ça vaut mieux. Par contre, pour sortir d'ici, il va falloir qu'on continue à avancer. Ça se présente pas mal par ici. Je te suis. Ouais, on l'a eu. Ça va? À part la vieillesse, tu veux dire? Non, rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil. Vivement qu'on se tire d'ici. Qu'est-ce que tu fais? Et si jamais il y a deux colosses derrière? Il n'y a pas de sport. On l'a bien défoncé, hein? C'est rare de tomber sur un colosse dans le coin. Ouais. Jessie et Dina vont péter un câble quand je vais leur raconter ça. Il se passe quoi entre ces deux-là? Ils sont ensemble, non? Plus ou moins. Pourquoi? C'est juste la façon dont Jessie parle de toi. Non, Jessie et moi, on est amis, c'est tout. Oh, allez, je suis plutôt doué pour remarquer ce genre de choses. Peut-être, mais là, tu te trompes. Ben, on verra bien. Ouais, ben, n'espère pas trop.
crois que tu pourrais te glisser là-dedans? Tu vois ce qui bloque? Ouais. C'est bon. Couple qui s'est enfui l'année dernière. Je crois que t'as raison. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent partout ailleurs. On voulait sauver des vies, faire quelque chose de bien. Juste après notre départ, on est tombé sur une horde. On s'est fait mordre. On a décidé d'en finir plutôt que de devenir des monstres. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Adam et Sydney. Je l'ai tué. Mais je suis incapable d'en finir. Je suis qu'un lâche. Adam. Bon sang. Ils étaient pas immunisés, eux. Ouais, il faut aller chercher Tommy et on rapportera leur corps à Jackson. Hein? Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles, tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi? Peut-être qu'il le cache. Comme toi. T'y crois vraiment? Tu crois que c'est le moment de discuter de ça? On a voyagé. À travers tout le pays, pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais 1 million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille? Parce que je les ai laissés faire leurs tests. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par Ellie. Trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune solution. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que t'aies quelque chose à ajouter. Non. Bien.